Olivier Bloch-Lenné, vous aussi, vous vous définiriez comme un passionné? Ah oui, tout à fait passionné, mais spécialement de cet instrument-ci. C'est le Fairlight, c'est un ordinateur qui permet de travailler les sons d'une manière tout à fait particulière. Je crois que parmi tous les synthétiseurs qu'on a vu ou qu'on va voir dans cette émission, c'est le plus perfectionné de tous, c'est aussi le plus cher. Mais et alors qu'est-ce qu'il a de différent des autres? C'est le plus perfectionné, c'est pas le plus cher, mais c'est le plus perfectionné parce que il transforme le son en image. Ça paraît bizarre, mais c'est un ordinateur. Alors, il y a un clavier d'ordinateur, et pour un musicien, un clavier d'ordinateur, c'est quelque chose de tout à fait rébarbatif, parce qu'on ne peut pas à la fois taper son courrier et jouer de la musique. Donc, l'avantage de cet instrument, c'est qu'il transforme un son en une image vidéo qu'on peut redessiner. Vous voulez que je vous montre? Oui. Par exemple, dites-moi un mot. Tintamarre. Voilà, vous voyez, ça c'est le tintamarre que vous venez de dire. Il a une drôle de tête, mais on l'entend. Et bien sur le clavier, je peux jouer maintenant. Vas-y. Dans le grave, ça va être très grave. Dans l'aigu, c'est compliqué. Voilà. Alors, il transforme donc ce son en une image vidéo. Quand je regarde l'évolution de ce mot, tintamarre, simplement ce petit mot, je peux voir qu'il se compose de tout un ensemble de courbes qui évoluent sur l'écran. Et c'est un petit peu le dessin animé qui représente l'évolution du son qu'on vient de faire. Alors l'avantage de cette technique-là, c'est d'abord qu'elle permet de faire des sons originaux, parce qu'on peut créer n'importe quel son à partir d'un micro, ou même de dessiner un son. Si je fais ce dessin, si je fais maintenant un dessin sur l'écran, je vais dessiner l'image d'un son qui est unique, puisque je viens de faire cette forme-là, elle ne ressemble pas à une autre. Je vais la mémoriser. Ça va donner un son très simple, puisqu'il ne se compose que d'une seule image. Mais un son original. Alors, si je veux le modifier, libre à moi de redessiner tout un tas d'autres formes et de les mélanger les unes avec les autres. Et le mélange de ces images va me donner toujours des sons supposément originaux, puisqu'ils ne sont pris à partir d'aucun son existant.